Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Canal Verdun. Nous sommes les élèves du CM2B. Notre émission est un pont qui relie le passé au présent. Vous allez découvrir avec nous l'école et la famille d'autrefois et voir comment la technologie a bousculé nos vies. Découvrez avec nous l'école de nos arrière-grands-parents, l'école sous le chêne dans les villages. Dans cette école, le maître fait penser à un ogre, voulant dévorer les enfants fragiles et démunis. Bonjour, maître. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable écrite par La Fontaine. Elle est intitulée « La grenouille qui se fait faire aussi grosse que la bœuf ». Répétez le titre de cette fable. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Plus fort. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf. Une grenouille vit un bœuf. Tu as sommeil? Réveille-toi. Qui lui sembla de belle taille. Qui lui sembla de belle taille. Pourquoi tu ne répètes pas qu'il y a dans la lune? Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Pourquoi tu gardes derrière toi? Va te mettre au coin. À genoux. En vieux 7 ans et s'enfle ce travail. En vieux 7 ans et s'enfle ce travail. Pour égaler l'animal en grosseur. Pour égaler l'animal en grosseur. Demain, vous allez la réciter. Et gare à celui qui ne va pas l'apprendre. De nos jours, cette école a disparu. Elle a cédé la place à l'école mixte qui a profité de l'évolution de la technologie. Plus de bâtons, le respect et la tolérance y règnent. Les élèves sont chanceux. L'école utilise la technologie pour leur permettre de mieux comprendre les leçons. Comme vous le savez, les professeurs sont gentils et compréhensibles. Hier, j'ai corrigé vos évaluations. Et aujourd'hui, vous allez faire des exercices de remédiation. Dana Lia et Abdel Fattah, vous allez faire des exercices sur les fractions. Youssef, Nadim et Saja, j'ai remarqué que vous n'avez pas bien compris la nature et la fonction d'un mot. Pour cela, vous allez faire des exercices supplémentaires. Layana et Maya, je vais vous aider à améliorer le début de votre compte. Pourquoi tu as mis un E à la fin de ce verbe? Maya, s'il te plaît, concentre-toi. On fait ce travail pour que tu progresses. Suis-je au pluriel? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? On n'entend pas très bien ce que tu dis. Quelle fatigante journée! J'ai préparé le repas, j'ai tricoté les chaussettes pour Léa et j'ai fait le ménage. Karen, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Les fractions, et j'ai bien compris la leçon. Papa, la leçon de géographie était difficile. Je n'ai pas su lire la carte. Ne t'en fais pas, on retravaillera cette leçon ensemble. Maman, je n'aime pas la salade. Les légumes sont très bons pour la santé. Ils sont plats. Oui, maman a raison. La maîtresse nous a dit qu'à chaque repas, il faut manger des légumes et des fruits.
Aujourd'hui, la maîtresse m'a puni parce que j'ai fait le clown de la classe. Je m'ennuyais et j'avais envie de rigoler un peu. Moi aussi, je vais te punir. Cet après-midi, tu ne vas pas sortir avec tes sœurs pour jouer dans le jardin. Même la société a changé. Avant, la famille se réunissait pour manger et discuter. Papa? Je dois envoyer un mail urgent à mon directeur. Maman, j'ai faim. J'ai déjà commandé une pizza. Ouf, j'ai pas pu terminer mon travail aujourd'hui au bureau. La pizza est arrivée! بين الماضي والحاضر تاريخ ينتهي وتاريخ جديد يبدأ، ومن أهم ما تشهده البشرية تلك الاختراعات التي تذهل البشرية وتجعلها تستعمل آلات مذهلة شديدة الذكاء والتطور، مما يجعلنا مثلا نتواصل بسرعة مع العالم عبر الانترنت والهواتف النقالة وغيرها، ولا ننسى الآلات داخل منازلنا التي تساعدنا على إنجاز أعمال المنزل بسهولة. يستعملون الغسالة الكهربائية. Allô. Oui. D'accord. J'ai besoin seulement de 2 minutes pour mettre mon linge dans la machine à laver. Puis je te rejoins. Thank you.
قديما كانوا يستعملون المكواة لكي الثياب. Travail est une corvée. Je suis très fatiguée. أما اليوم يستعملون المكواة الكهربائية. Comme c'est facile et rapide. كانوا يستعملون المطحنة اليدوية لطحن حبوب الدم. أما اليوم فالمطحنة الكهربائية تفي بالغرض. C'est délicieux et rapide.